femme, de l'enfant et de la famille prononcera un discours sur la situation des femmes du Mali. Wadidje Founé Koulibaly devrait mettre un accent particulier sur les avancées et les défis liés à la condition de la femme au Mali. Mais déjà, hier, la délégation malienne a animé un panel sur les technologies de l'information et de la communication. C'est en lien avec le thème 2023 de la rencontre. Récit de nos envoyés spéciaux à New York, Awa Ditma Kamara et Sidiki Balo. Le combat des femmes, une priorité pour les autorités de la transition. Le colonel Assimi Goïta en a fait son cheval de bataille. Cet engagement des autorités de la transition sera porté haut à la tribune des Nations Unies par le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Wadidje Founé Koulibaly, à la tête d'une forte délégation, est arrivée ce vendredi 10 mars à New York. Elle prend part aux travaux de la 67e session de la Commission de la Condition de la Femme. Mali. And blessings upon the nation. Wadidje Founé Koulibaly prendra la parole à la tribune des Nations Unies pour faire le point des avancées enregistrées par les autorités maliennes en matière de promotion des droits de la femme. Nous sommes toutes là pour porter un message fort du Mali, un message de tout le peuple malien et un message de toutes les femmes du Mali. La délégation malienne a par ailleurs échangé sur la thématique de cette année relative aux technologies. C'était autour d'un panel. Par rapport à l'autonomisation des femmes, tout ce qui se dit, je vois qu'on a les mêmes expériences chez nous. Donc ça montre que nous ne sommes pas en marge de ce qui se fait à travers le monde. Au contraire, nous sommes en train d'évoluer avec notre environnement et cela est réconfortant pour nous. Le Mali a mis beaucoup d'outils, que ce soit des outils pour le cadre réglementaire, que ce soit pour le cadre légal, mais aussi il y a eu beaucoup de projets et d'actions qui ont été mis en œuvre. De nombreux pays amis du Mali étaient de la rencontre pour s'inspirer de la politique des autorités maliennes.